Et voilà, on continue notre aventure dans le carnet de jeûne. D'ailleurs, ça me fait penser que quand je vous ai mis la liste de courses, des choses à emmener avec vous et à prendre, si vous pouvez prendre le compagnon de jeûne, ça vous fait un truc en moins, c'est-à-dire que vous n'avez pas à prendre des cahiers, un votre agenda, vous mettez tout là-dedans, en fait. Bloc-notes. Vous notez tout. Surtout que au niveau de l'impression, après, il y a eu des pages blanches restées, donc moi je m'en suis servi comme note, et ça vous permet de faire quelques notes en plus. Je vous demande aussi votre avis, donc n'hésitez pas. Donc, je mettrai mes coordonnées en dessous les vidéos si vous voulez m'envoyer directement votre avis. Et puis, ben, on continue. Donc, la suite, mes randonnées préférées. Donc, pareil, comme c'est pour éventuellement 3 semaines de jeûne différentes, j'ai mis 3 pages. J'ai fait pareil pour tout, pour mes tisanes, etc. Donc, mes ressentis, faciles, difficiles, mes randonnées préférées pour revenir un jour, point d'interrogation. Là, c'est parce que c'est quand même un carnet qui a été créé pour les jeunes qui ont des randonnées. Il y a une association d'ailleurs qui s'appelle Fédération, qui s'appelle Fédération Jeunes et Randonnées. Je n'ai rien à voir avec eux. Mais par contre, il y a peut-être d'autres personnes qui font aussi des randonnées. Et moi, les 2 jeûnes que j'ai faits étaient tous les deux avec cette fédération-là. Donc, je recommande autant que possible, parce que les personnes, normalement, sont bien formées. Et donc, l'idéal, c'est d'écrire, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, de mettre des photos, des souvenirs. Si vous passez à côté d'un endroit où il y a des cartes postales, des choses comme ça, vous pouvez peut-être mettre, ou des prospectus, peut-être, et vous coller des petites images. Comme ça, vous voyez si vous avez envie d'y revenir plus tard. Parce que c'est pas parce qu'on fait un jeûne à un endroit qu'obligatoirement, il n'y a que des jeûnes à faire à cet endroit-là. Il y a peut-être plein d'autres choses. On peut revenir en famille, on peut revenir avec des amis. Et peut-être aussi, par exemple, nous, on était à côté de Roquefort, et je peux vous dire qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de panneaux Roquefort, et donc c'était parfois presque insoutenable comment dire, d'avoir envie de Roquefort. Après, il y a des gens qui détestent le Roquefort, donc le problème ne se posait pas. Et puis après, dans la remonte alimentaire, on n'a pas le droit de manger de fromage tout de suite. Donc il y a peut-être des choses que vous allez voir, vous allez vous dire, ah, j'ai trop, trop, trop envie d'en acheter en repartant, mais ça ne va pas être possible parce que vous ne pourrez pas les consommer dans la semaine. Donc peut-être que vous reviendrez à cet endroit-là. Puis il y a des gens qui ont aussi des jeûnes à l'étranger. Par exemple, il y en a beaucoup, je crois, au Maroc. C'est un endroit qui est très prisé. Donc vous aurez peut-être des souvenirs particuliers à faire. À noter, pardon. Donc ça peut être aussi la difficulté, comme je l'ai mis, facile, difficile. Ça peut être vraiment par rapport au lieu, mais par rapport aussi à vous, ce que vous avez ressenti dans votre jeûne, si vous aviez envie de manger. Puis maintenant que vous savez que vous pouvez manger du plantain, vous allez peut-être avoir envie de manger du plantain ou d'autres plantes qui se trouvent sur votre sol. Les dessins sur la nouvelle édition sont légèrement plus clairs pour que vous puissiez bien écrire dessus. Mes tisanes, alors ça dépend beaucoup de la personne avec qui vous allez faire le jeûne. Il y a des naturopathes qui ne prescrivent pas spécialement de tisane pendant mon premier jeûne. Je n'ai pas le souvenir qu'on nous faisait, parce que là, j'ai eu pour avec la deuxième naturopathe, j'ai eu vraiment comment on appelle ça? Une consultation naturopathique, et suivant mon profil iridologique, elle m'avait donné des plantes à prendre si j'en avais envie, le matin, le soir, enfin elle me disait exactement. Pour mon premier jeûne, j'avais pas eu ça. Donc là, vous pouvez mettre les tisanes. Et donc, j'avais la chance d'avoir des tisanes prescrites, et elle me disait que les autres, je pouvais les tester par moi-même. Donc là, je vous ai mis les 2, si vous avez ça dans votre de le jeûne que vous allez faire. Ce ne sera peut-être pas le cas. Alors ensuite, la même chose pour les jus. La même chose pour les jus. Là, c'est une expérience, hein, vraiment. Surtout si vous. J'en profite pour boire un peu mon Yano au passage. Avant qu'il soit complètement froid. Et donc là, les jus, il y en a vraiment que vous. Jus ou bouillon aussi. Je ne crois pas que j'ai mis bouillon, mais j'aurais pu mettre jus et bouillon. Voilà. Où vous pouvez dire ce que vous avez aimé ou pas. Parce que là, vous allez certainement, au fur et à mesure que vous allez avoir de plus en plus, vous êtes de plus en plus détaché de la nourriture, des nouveaux goûts vont apparaître dans votre palais. Et aussi, suivant la méthode utilisée par la personne qui fait la naturopathie, c'est-à-dire que par exemple, les jus souvent sont à l'extracteur et à peu près tous les mêmes. Donc, il n'y a pas une grande différence au niveau de la manière de faire les jus. Par contre, il peut y avoir une différence au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a par exemple du gingembre ou pas, des choses comme ça qui peuvent être chez les uns et pas chez les autres.
Et dans les bouillons, il peut y avoir une réelle, réelle, réelle différence. Et là, moi, sincèrement, la première fois, j'ai trouvé que c'était juste de l'eau. C'est-à-dire que le bouillon, ce sont des légumes qui sont cuits et on fait en sorte que ça n'aille pas jusqu'au potage. Donc, il n'y a vraiment que l'eau avec les minéraux à l'intérieur et pas une gouttelette de. Enfin, pas une trace de morceaux. Enfin, nous, on pouvait rajouter des herbes si on voulait dedans, mais si on en mettait trop, ça pouvait éventuellement réactiver peut-être la digestion. Et comment dire, dans le deuxième cas, c'était vraiment quelque chose avec une texture. Il y avait vraiment une texture et elle n'avait pas la même manière de faire et j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnes qui étaient là qui ont dit que dans un autre jeûne, ils avaient encore eu des recettes différentes que eux avaient beaucoup appréciées. Donc ça dépend vraiment, je pense que le bouillon, ça dépend encore plus. Alors, ceux qui n'ont jamais fait de jeûne doivent se dire, dis donc, on en mange des choses hein, quand même finalement en jeûne. Alors en fait, l'histoire des tisanes, c'est si vous avez un naturopathe qui vous fait une petite consultation, que ce soit une consultation naturopathique classique ou d'iridologie, qui va vous dire quoi prendre si vous en avez envie pour soutenir votre organisme pendant le jeûne et donc après apprendre aussi à utiliser ces tisanes, vous pourrez les réutiliser chez vous ensuite. Le jus, c'est le matin normalement, dans les jeûnes de la fédération, par exemple jeûne et randonnée. L'eau, vous en buvez quand vous voulez. Et le bouillon, c'est le soir. Ça permet de garder des rituels. Ça permet vraiment d'avoir ce moment où on est ensemble à table et de pouvoir partager un moment. Ça, c'est super important. On sait quand même depuis plusieurs années que l'ocytocine est une hormone extrêmement importante pour le lien, pour l'attachement, et qu'un des moments privilégiés en dehors de l'allaitement maternel, l'accouchement et les rapports sexuels et les massages, un des moments le plus courant où on va créer de l'ocytocine dans notre corps, ce sont les repas. Donc ça vous permet de créer du lien avec les personnes avec qui vous êtes en jeûne et avec l'encadrant. Donc ce sont des moments, si ça se passe bien, bah, les relations se passent d'autant mieux. Et c'est aussi un moment où on va pouvoir s'exprimer ensemble. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les exercices. Alors là, honte à moi, je ne les ai pas ressortis parce que Anne a fait l'immense travail de nous envoyer par mail tous les exercices qu'elle nous avait proposés. Je ne les ai pas mis dans le carnet. L'idéal, c'est quand je retournerai avec elle, car je sais que je retournerai un jour avec elle, ça c'est sûr. Je pense que je ferai aussi d'autres jeûnes parce que j'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Mais j'ai très 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 envie de retourner avec Anne au moins la prochaine fois, ça c'est sûr. Eh bien, je noterai au fur et à mesure les exercices et puis je serai très attentive à récupérer tout ce qui vient par mail qu'elle peut nous envoyer et qui est une matière extraordinaire. Donc voilà, donc là on peut noter, peut-être aussi noter des petits trucs et astuces sur les exercices, pareil sur les jus, comment ils sont préparés, quelle chose il y a en plus ou en moins ou le bouillon qui va faire que je vais plus ou moins apprécier aussi. Voilà, pareil, 3 pages pour les 3 semaines éventuelles. Ou pour mettre à la suite les uns des autres. Alors là, j'ai pas besoin de vous dire hein, mes souvenirs, c'est-à-dire des petits mots qu'on peut s'échanger avec les amis, qu'on s'est fait pendant le jeûne. C'est quand même des amis avec qui on va parler nourriture, pipi caca. On va partager tous nos maux quotidiens. Donc je peux vous dire que quand on les revoit, ces gens-là, on les oublie jamais, quoi. C'est comme si on avait vécu Koh-Lanta avec eux. Voilà. Donc c'est très fort. C'est de toute façon très fort. Même si ça s'est pas bien passé, même si ça s'est très bien passé, mais qu'après on se revoit plus, et ben on sait très bien que si on revoit ces gens-là, il y a quelque chose de fort qui s'est passé entre nous, c'est obligatoire. Voilà, c'est pour ça que les petits groupes, même si on est introverti, c'est pas mal quand même, parce que ça permet d'être un peu entre soi. Après, les grands groupes, j'ai pas testé. C'est très drôle d'ailleurs, parce que dans les deux groupes que j'ai faits, il y avait dans les deux cas 5 personnes, dans les deux cas un homme seulement, 4 femmes, et dans les deux cas, l'homme faisait partie d'un couple qui était présent, donc il y avait un couple qui était là, et les trois autres personnes étaient des personnes qui étaient venues seules, 3 femmes qui étaient venues seules, leur conjoint n'était pas là. Photos, anecdotes, voilà, petit truc classique. Et maintenant, on va faire une vidéo sur le repas de reprise. Et là, je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça. Vraiment, ça vaut le coup. Donc, si vous voulez recevoir cette vidéo sur le repas de reprise, surtout, 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 abonnez-vous pour pouvoir être informé. Si vous tapez sur la petite cloche, vous connaissez le truc, vous recevrez plus facilement les notifications. Et puis, ou alors vous continuez à regarder la playlist si j'ai déjà mis tout en ligne. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et puis,
Et puis voilà.